Salut les voyageurs, nous poursuivons notre périple de l'été 2020, ce qui permet d'apporter encore un petit peu de soleil et de chaleur alors que nous sommes actuellement en plein hiver. Et cette fois-ci, nous allons passer par la splendide ville de Nantes. Ça a été une grosse découverte pour nous. Comme tu le verras, on en a exploité une partie, on en a visité une partie, mais il y a encore plein d'autres choses à y voir. Et on se réjouit d'ores et déjà d'y retourner. Nous avons commencé notre visite par le jardin des plantes, un petit peu par hasard, et en fait cet endroit est splendide, c'est un véritable havre de paix en plein centre de Nantes. Les quelques chiffres défilent ici sous les écrans. C'est vraiment un endroit qui est formidable et aussi un endroit culturel puisqu'il y a des expositions de statues. Ressortons du Jardin des Plantes par l'entrée Clémenceau. Les images qui vont suivre vont nous permettre de rejoindre la cathédrale en partant du Jardin des Plantes et vont nous faire passer devant le Musée des Beaux-Arts. Nous arrivons maintenant sur ce qui s'appelle le cours Saint-Pierre, qui est planté de splendides marronniers. It sound right, boys. On distingue ici l'arrière de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, communément appelée cathédrale Saint-Pierre. Et tout
tout au fond là-bas, la place du maréchal Foch avec son obélisque. Rejoindre la place de la cathédrale, nous nous glissons entre la cathédrale et la porte Saint-Pierre. Voici arrivé sur la place Saint-Pierre et voici cette splendide cathédrale qui, malheureusement, a été incendiée volontairement quelques jours avant notre passage au début du mois de juillet 2020. Ah oui. Promenons-nous maintenant entre la cathédrale Saint-Pierre et la rue des Chapeliers. Depuis que la grande distribution a arrêté, je ne sais pas si ça marche. Descendu la rue de Verdun, nous nous retrouvons maintenant sur la place du Pilori et j'attire juste ton attention sur cette ligne verte qui se trouve au sol. Thank you.
en direction du quartier du Bouffet. Traversons maintenant le cours Franklin-Roosevelt avec le passage d'une des lignes du tram. Nous arrivons maintenant sur la place du Bouffet, qui a également été rendue célèbre depuis 2018. Célèbre parce qu'il y a une nouvelle statue en bronze qui s'appelle l'éloge du pas de côté, qui avait été installée au départ en 2018 pour 4 mois. Et en fait, c'est une installation qui dure. Il y a eu des grandes oppositions pour les pour, les contre, partant aussi du principe que quelque part, c'était l'artiste lui-même qui s'était mis en scène dans cette œuvre. L'artiste s'appelle Philippe Ramette. Filons maintenant dans la rue du Bouffet, qui contient, comme beaucoup de rues piétonnes à Nantes, d'innombrables petites boutiques. Voilà, j'ai attiré plusieurs fois ton regard sur cette ligne verte qui se trouve au sol. En fait, elle permet de faire une navigation très intéressante dans les quartiers à visiter au niveau de Nantes. Et après coup, c'est en voyant le plan général que tu trouves en description, le plan général de la ligne verte, qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on avait exploité une petite partie de la ville de Nantes. On se réjouit déjà d'y retourner. Nous voici arrivés sur la place Royale. C'est un endroit qui en fait avait été en grande partie détruit pendant la guerre et reconstruit à l'identique. Il y a quelques années, c'était encore un grand rond-point destiné à la circulation automobile. Et depuis 2011, après rénovation complète, elle est maintenant piétonne. Thank you.
ressortons de la place Royale par la rue de la Fosse. Le passage Pommeret est un magnifique passage qui aujourd'hui abrite un certain nombre de boutiques dans cette immense galerie marchande. Construit sur une forte pente, il présente en fait trois niveaux. Le niveau du bas s'appelle la galerie de la Fosse. Le deuxième niveau s'appelle la galerie Régnier. Et le niveau supérieur s'appelle la galerie Senteuil. Grasselin et le théâtre du même nom. Cette place également était rendue partiellement piétonnière depuis 2013 et quand nous y étions, il y avait encore des travaux d'aménagement au niveau des escaliers du théâtre qui, on peut le supposer, vont contenir une sorte de fontaine d'eau avec des cascades. Thank you.
voici arrivés au château des Ducs de Bretagne. Le début de la construction date de la fin du XVe siècle avec François II, qui a été le dernier duc de Bretagne, puis sa fille, Anne de Bretagne, deux fois reine de France. Après 15 ans de travaux, dont quasiment 3 années de fermeture totale, le château des Ducs de Bretagne a réouvert au public en 2007 et accueille depuis le musée d'histoire de Nantes. Nous avons eu la chance de voir une exposition temporaire sur la biscuiterie Lu. Pour information, Lu veut dire Lefèvre utile. Désormais, la collection de cette grande enseigne nationale se trouve hébergée dans le château des Ducs de Bretagne. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, elle semblait se trouver dans le château de Boulaine, qui se trouve pas loin de Nantes. On en trouve encore des informations sur internet. Par contre, quand on va sur le site du château de Goulaine, il n'y a plus aucune information sur les biscuits et la biscuiterie Lu. Toutes les informations d'un camping très sympa et pas cher à 15 minutes en deux roues du centre-ville, eh bien en fait il suffit, comme tu le vois ici, la vidéo est un peu floue, c'est fait exprès, viens ici voir notre vidéo sur ce splendide camping. Nous voici arrivés au terme de ce périple piéton dans la ville de Nantes, une ville, comme tu l'auras compris, que nous avons énormément appréciée. Ça fait partie de ces villes où, à peine visitée en partie, on a déjà envie d'y revenir. Nous ne connaissions pas du tout Nantes, c'est peut-être également ton cas. Et franchement, cette ville, pour moi, c'est la ville qui vaut absolument le détour. On va continuer dans les prochains épisodes avec la fin de notre périple de l'été 2020. Avec un splendide camping tout près de la ville de Vannes, la ville de Vannes elle-même, et ensuite ce sera le retour par deux étapes France Passion vers la Suisse. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas pour le pouce bleu, et à bientôt.